L'opinion publique n'est pas encore fixée sur le successeur de Moué Makosso IV. En effet, après la présentation de Moué Tati Jean-Christophe, dit Moué Piquen, le 10 septembre dernier, les dignitaires, sages et notabilités de Pointe-Noire et du Kouilou ont fait une déclaration en date du 13 septembre pour marquer leur indignation et leur désengagement de cette démarche. Quelle est donc la situation actuelle au sein du royaume de Loango? Francis Ngambanou, proche de Moué Piquen, apporte des éléments de réponse. C'est Moué Piquen qui est là. S'il y a une réaction, ça ne sert pas de faire une guerre médiatisée où les gens doivent s'y rendre à Loango, à Diosso. S'il y a des dignitaires, s'il y a des gens de la cour, tout se passe à Diosso. Ils n'ont qu'à partir à Boale. C'est là où se passent les choses. La population en a marre. Si la population est sortie, la population en a marre. Ils ont la réalité de tout ce qui se passe avec au sein des dignitaires, puisque même là, les dignitaires sont divisés. Il y a des corrompus parmi eux. Les jeunes les ont attendus, ils les ont tendu la main. Ils ont attendu, personne n'est arrivé. Et maintenant qu'ils ont décidé, ils ont choisi le roi. Il est là, le roi Pikani. Il est bel et bien Diosso. De même, L'Imbrice Tivongo, en sa qualité de conseiller à la communication et de porte-parole des trois clans royaux, apporte un éclairage. C'est le hockey de la République que nous sommes en train d'attendre. Voilà, nous ne sommes pas des sauvages. Le roi, c'est une autorité morale, j'ai dit. Et nous faisons les choses proprement. Nous sommes en train d'attendre que l'État qui est appelé à valider, à accompagner le royaume, parce que le royaume joue un rôle dans la République, que l'État dise OK. Et nous avons dit, le OK en question, c'est le OK du président de la République. Vous verrez les trois chefs des clans et vous verrez les autres clans qui constituent le royaume, parce qu'il n'y a pas que les trois clans. Les trois clans sont ayant droit du trône, mais il y a les autres clans qui entourent. Chacun a un rôle, a un service. Eh bien, vous verrez à la présentation les autres clans qui constituent le royaume de Loango, et jusqu'à l'investiture, nous ferons une cérémonie officielle. Il apparaît clairement que le nouveau Ma Loango n'est pas encore officiellement connu, car ce dernier devra être intronisé avec l'accord des trois clans royaux et l'accompagnement de la République.